Oh là là! Oh là là! Niveau 6! Niveau 6! Niveau 6! Qu'est-ce que c'est que ça? Acheter un tabouret de méditation. En mode construction entre... Ah! Bah écoute, va te prendre un bain de mousse, hein. Vous pensez que même en étant enceinte, on augmentera mieux? Récréation. Ça n'existe plus, récréation. Bah, va faire ça sur sa terrasse aussi, parce que bon, j'ai peur que dans le jardin, elle apparaisse comme une beatnik un peu, tu sais. Elle va bientôt se téléporter, la cocotte. Non, elle va aller prendre son bain. C'est vrai que... Non, mais regardez l'énergie qu'elle a. Depuis qu'on lui a acheté le truc petite dormeuse, elle va te faire méditer. Elle peut. C'est bien ça. Je sais pas te dire, Valushkaya. T'étais partie quand? Il faisait se passer quelque chose ou pas? Oh, elle a dégueulassé toute la baignoire. Dodo, pas sieste. Oh oui, t'es tristoune. Oh là là. On a marre des cubes. Quelle pauvre vie que tu as, mon petit bébé. Par contre, elle a la dalle. Attends, tu retourneras pisser avant d'aller méditer. Troisième trimestre en 23 heures. Ok, ça va vite. Oh oui. Vous savez que j'aime faire les... Ah bah, bébé 3 en route. Troisième trimestre dans 23 heures. Voilà. Voilà. Et là, elle est en mode méditation. Est-ce que ça... Ouais, ça va, ça augmente, hein. Oh. Elle s'envole! Moi, je le savais, mais je l'avais jamais fait. J'imagine que quand le pack il est sorti, ça doit être une surprise, ça. Je le savais, mais je l'avais jamais été très loin dans... Enfin, j'avais jamais... Je faisais vite fait du yoga à certains de mes Sims, mais... Oh, ça sera la miniature là, ça c'est sûr, hein, Jean-Pierre. Plus, on voit même pas qu'elle est en cloque, regardez. Elle est tellement bien gaulée, cette fille. En plus, je vous mets comme ça, mais vous avez ma gueule, excusez-moi. Je suis désolée. Ça, c'est pas spa, ça. Je pense que c'est le détente au spa, ouais, c'est ça. Vous saviez pas? Moi je savais qu'à un moment et à un moment donné en fait elle pourra se téléporter. En fait quand, je crois que c'est quand elle gère la compétence ou un truc, elle pourra vraiment se téléporter, mais genre pas quand c'est pas le bug hein, qu'on voit la téléportation. C'est une vraie téléportation en fait. Ça c'est ça je le sais, je l'ai déjà vu, mais je l'ai jamais expérimenté. C'est beau hein. Je l'ai pas encore spa comme ça viendra. Ah bah oui, profite des soldes après, hein, bien sûr, selon ton budget, évidemment. Ou essaye de voir sur Instant Gaming, ça peut être intéressant aussi. Chie-moi. Cet enfant, il va être zen. Il va naître, il sera déjà zen. Désolée, hein, j'ai... Regardez, elle perd
pratiquement plus en énergie, c'est... C'est fabulous! Ah, par contre, on a des ordures et il faudra que t'ailles quand même manger parce que oui, elle reste quand même une petite Sims qui a faim. Surtout quand on est en cloque. Ben voilà qui. Maintenant il fait un peu jour, je vais peut-être prendre une photo quand il fait jour. Non, je vais galérer à faire les. La balance de couleurs. Voilà, elle est belle, hein? Oula! Faut pas ouvrir les yeux, cocotte. Ouais, c'est ça. Bah, je compte la montée, hein. Je compte la montée pour à faire partie des meilleures compétences qu'elle a, hein. Là, on va essayer de taper le charisme aussi un peu. Elle va manger, cocotte, parce que sinon, tu vas pas y arriver. Les enfants, la petite, elle était super sage là, le reste de la nuit. C'est agréable. Je vais faire le ménage moi-même parce que j'ai pas l'impression qu'ils ont envie de débarrasser des assiettes. Hop, hop, voilà. Ça c'est fait. Non, il n'y a pas d'évier dans cette maison. Je refuse. Est-ce que t'es tombée sur une petite assiette magique, ma belle? Oui, on en sait que ah, tu vas aller vomir. Elle a pensé à sa sœur. Tu sais, ta sœur, elle s'est mariée. Et t'as même pas été invitée au mariage. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Nous, on a quand même invité. Ta connasse de sœur. Après le meilleur pack, moi je trouve que le truc qui est vraiment essentiel, c'est saison. Vraiment. Mais c'est tellement essentiel que je le considère pas comme le meilleur, tu vois. C'est vraiment l'essentiel. Après, ce que j'ai. Un des trucs que je préfère. Non, elle, en fait, elle a besoin de. J'aime beaucoup dans la jungle. Pour le monde, pour la construction et tout. J'aime beaucoup la jungle. J'aime beaucoup mini-maison. Oh, petit bichon. Tu peux aller au pipi? Ah, va sur pipi et après tu retourneras te coucher. T'es censé bosser toi ou pas? Oui. Mais on s'en fout, elle bossera plus, hein, Lila. Tant qu'elle pond, elle n'ira pas travailler. C'est grâce à ça, une fois, j'ai pris un Sims dans la galerie et j'avais téléporté ici. Ah bah oui, c'est parce qu'il devait avoir un niveau 10 en bien-être, un truc comme ça. Ah oh, putain, elle pue. T'es chiante, Autonne. Quand est-ce que tu grandis? Ça devrait pas tarder, hein. Oh, Soso. Ah, mon petit chou, regardez-moi ce petit rouquinou là. Il va nous faire un bon gros caca qui pue. Là, il sait pas, mais ça va trémousser tout son corps, hein. J'aime bien quand il tremble de tout. Comme ça, ça me... Je le sais, je le dis à chaque fois. Attention. Voilà. J'aime bien. C'est rigolo. Bravo Jean-Pierre! Bon bah tu peux retourner méditer toi. On va peut-être avancer plus vite le bien-être que... Mais lui les abdales! Vache! Que la, le char le charme, le charisme, le charisme. Vous aussi vous connaissez le charisme. Hop là, tu vas manger des pastas. Et tu vas regarder la télé. Avant d'aller travailler, c'est bien. Tu travailles à quelle heure? Tu travailles à 10h. Allez. Tu sais que tu pouvais passer par là, c'était plus court, mais...
Ah non, oui, non, oui, il faut qu'il s'assoie pour qu'il dise ah ben non, finalement, faut que j'aille devant la télé. Là, les Sims. Ils sont tous tristes, oui, bah ouais, y a un des parents de Dan qui est décédé. Non, c'est pas lequel. Et elle est en train de monter dans les airs. La méditation, ça lui fait descendre pas mal le côté triste. Tu sais que tu peux t'asseoir, hein, ça coûte le même prix. Ah, être parent. Oh, non, mais être parent, moi, il me rend chèvre. Hein. Vous voyez bien avec les gamins, les pots de peinture, tout ça. C'est être parent, hein. Voilà, c'est. C'est elle qui fait ce bruit? Ouais. Au moins, avec cette position-là, elle est prête à accoucher, hein, je vous le dis. Monte tout doucement, on est déjà à 6 et 50%. Ah, sacré cré Lily, là, là. Amandine le roi, mais on ne sait pas qui tu es. Oui, il va y bosser. Poser l'assiette là, évidemment. Le repère des assiettes dégueulasses, on a trouvé, c'est ici. Allez, mon adjudant! Bon, je dis adjudant, je sais pas quel rang il est. Quatrième lieutenant! J'y connais absolument rien, donc je peux pas dire. Prochain grade, c'est capitaine courageux. Ok. Moi, Lila, t'as la charge des gosses, hein. Pour l'instant, ils sont calmes. Est-ce que la petite Autonne va grandir? Elle est née un matin, hein, quand même. Parce qu'on a déménagé le. Bah si, oui. Le lundi. Là, on est mercredi. Ou alors c'est demain, le jeudi, qu'elle va grandir. Bah, devrait pas avoir, on devrait avoir l'annonce. Bah voilà, c'est l'anniversaire d'automne. Voilà. À 11 h demain. Des bisous, Paulinette! Bonne soirée à toi. J'avoue, c'est pas transcendant le gameplay pour l'instant. On avance tout doucement. Et j'ai toujours le nez qui gratte. Il a faim, ce pauvre chou. Eh bien, je vais t'ouvrir, je vais te mettre une gamelle. Ah tiens, un prout-prout! Tu vois, ça, tu pourras faire des vrais prouts tout le temps. Allez, il est midi, tu vas te lever, mon petit? Oh là là, je suis tristesse. Eh bien, manger. Tandis qu'elle méditait, Lila Villarea a trouvé une nouvelle façon de progresser en cuisine et améliore sa compétence cuisine. Ah bon? Ah mais si elle pouvait améliorer d'autres compétences comme ça, moi ça me va, hein. Le charisme, la logique, le bricolage. Vas-y Lila quoi, pas de problème, hein. Je savais pas ça par contre, qu'elle pouvait améliorer des trucs. Elle réfléchit, elle dit, qu'est-ce que je pourrais me faire à bouffer ce soir? Et voilà, elle a des idées qui pop comme ça. Elle est déjà 8, ouais, mais bon. Je pouvais pas le savoir, moi, ça va, mon bichon, tu te régales? Moi, il est content. Après, tu pourras aller jouer les cubes, tu pourras jouer, tu pourras aller voir ton nounours, qu'est-ce que c'est, babiller, faire un câlin, et jouer après avec ton coin-coin. Oh là là, que d'activité, mon petit copeur, hein, franchement. Trop de choses, hein. Tu vas pas savoir. Oh là là, trop d'activités. C'est un ministre, ce gamin. Ce gamin, pardon. On avance lentement, mais sûrement. Il y a beaucoup de choses à faire avec elle. Et encore, on a commencé qu'avec elle. Elle était encore au lycée. On avait le temps de rien. Elle était en cours, elle rentrait. Elle faisait vite fait quelques activités, mais on n'avait pas avancé. Après. Elle s'est mise en couple avec Dan, ça s'est pas très bien passé.
Ça, on n'a pas fait de gosse tout de suite parce qu'il fallait avancer toutes les compétences. Mais là, ça va, on commence à monter, hein. On est à 4 sur 6. On va arriver au niveau 7! Du bien-être! Chez moi! Là 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 là! Niveau 7! Du bien-être! Niveau 7! Niveau 7 de bien-être! Niveau 7 de bien-être. Niveau 7, niveau 7 de bien-être. Ta-ta-da. Elle peut désormais se téléporter lorsqu'elle lévite et préparer une salade de super aliments. Elle peut exécuter la posture du yoga, le pont. Waouh! Se téléporter à partir du tabouret de méditation. Non. Oh! Miniature. La relou. Attendez, on va regarder ça. C'est pas très rapide, mais ça a moyen de marcher en tout cas. C'est qui? C'est toi qui pue ou c'est... C'est qui pue? Bah, y'a personne qui pue! Alors? Ouais, la fin. T'en profiteras pour toi aussi, Pas, tu vas pas mettre la tête, tu vas jeter tout ça. T'iras aux toilettes. La meuf, je vous rappelle, elle a pas dormi de la nuit, hein. Lila n'a pas dormi. Elle a une vie mouvementée, un petit peu, ouais. Partie tôt de chez ses parents. Elle a vécu toute seule dans un appartement pourri. Elle a rencontré Dan. Ils se sont mariés un peu trop vite. Ça s'est fini en divorce. Puis finalement, manquant de moyens, ils ont dû quand même cohabiter. Et avec le temps, les sentiments ont refait surface. Et puis ils se sont mariés encore une fois, cette fois-ci. C'est sûr, c'est le bon. Et ils ont fait maintenant deux enfants. Et ils ont déménagé dans une maison. C'était l'histoire de Lila. Pardon, mon micro. À chaque fois, j'oublie qu'il y a un micro. Incroyable! Elle oublie qu'elle a un micro en direct. Oh! Vous ne douterez jamais de ce qu'elle a fait. Des bisous, Camille! Bonne soirée à toi. N'empêche que tu m'as fait bien rire pour leur divorce. Ah bah il fallait bien trouver une excuse quand même parce que bon, divorcer... Voilà. C'est lui qui a commencé. Il était en faute. Complètement en faute. Tiens, Bichon, t'iras pisser après mon petit. Eh, range ton coin-coin. Va faire le tapin. Non, je rigole, le lulule. Non, c'est pas ça que je vais faire. Ouais, bon, c'est cool, il est rentré du boulot. Non, on veut pas te parler. Ah bah non, pardon, je me suis trompée. Non, je pensais que c'était lui qui est rentré du taf. Il va pas tarder. Mais c'est elle qui a reçu ses sous pour la journée. Bon, elle a pas fait le ménage là-bas. Elle va méditer. Si tu peux me faire un petit niveau 8 avant la sortie du monstre, ce serait cool. Tu viens à peine de passer le niveau 7, mais... On ne sait pas. Bah Pearl, t'as pas suivi? Oh. Les Sims ou réaction à retardement, je change mon bébé et ensuite je me plains parce que ça pue alors que ça ne pue plus. C'est ça. Bon, ça y est, il est rentré du taf, il va pouvoir s'occuper de ses enfants. Regardez le petit chou là. Oh papa, il est là! Voilà, rien n'est content. Oh papa! Tu vas jouer avec ton fils. Le petit rourou, il est tout mignon. Ça me manque les roux. Heureusement qu'il y a notre Sauberry pour avoir des roux, hein.
Ça me manque les roues. J'en ai encore un peu dans le legacy, mais... Ah, tu t'es absenté? Bah non, mais le divorce, c'était il y a plusieurs épisodes déjà. C'est ça, Valushkaya. C'est lui hein, qui a commencé à critiquer comment elle faisait crac-crac. Et bah elle a rétorqué en disant en même temps, toi t'en as une toute petite. Hein, j'en ai jamais vu des aussi petites et en plus elle arrête pas de faire ça. Mais vous savez bien ce que c'est dans les disputes. On exagère les choses. Je dis ça, mais. Hein? Bon, bah elle médite. Ah, Nunu! Nunu! Je l'avais pas vu. Nunu, la star. Dan, il peut pas lui parler. Merveilleux. Et le petit, il peut lui parler? Le petit peut se tenter de se présenter alors que c'est son petit-fils. Genre. Quand même. Laisse être cet enfant tranquille maintenant. Sinon, je peux regarder combien de temps il lui reste à Nunu, hein, mais je voudrais pas que vous soyez triste. Hein. Si tu le dis, amical, montrez le jouet à nuage. Partagez une histoire personnelle. Il peut toujours pas lui parler normal, hein. Il peut toujours pas lui parler. Salut Animara, comment tu vas? C'est pas grave. J'en ai raté des épisodes depuis la génération grise. Ah oui, là ça. Parce que comme l'autre, elle est en train de méditer, là, il faut bien occuper la mère. Hein, Qu'est-ce qu'elle te dit là? Elle te dit qu'elle a envie de niquer? Hein? Je suis choquée là. Nuage, elle a fait une tentative de... J'ai eu peur. Ils partaient dans la même direction. Nuage, elle a fait une proposition indécente à son beau-fils. Oh, bichon, et regarde à tes loches si tu t'ennuies. Et il m'a enlevé tous mes trucs, il m'énerve. Ouais, il peut lui parler. Il peut lui parler alors qu'elle va crever. Alors, elle est joueuse de légende à cet endroit, équipe des autres sports. Bah oui. Donner des conseils d'éducation. Ah, ça c'est un truc de star. Active, ah oui, bah ça elle est active. Hein. Merci beaucoup à Listraël pour ton follow, bienvenue à toi. Bah ça va, ça va. J'ai un peu éternué, du coup j'ai le nez un peu qui grinte et qui est un peu bouché. Bon, c'était pas prévu au programme, hein, mais voilà. Mon choupi. Tu fais des câlins au petit nounous. Tant que ta petite soeur a fait arre, arre. Oh, t'es claqué, mon petit. Eh ben, t'iras pioter. Ta petite soeur, elle va devenir une bambinette dans pas longtemps. Dans quelques heures. Bon, elle. 37%. Elle aura fait que ça toute la journée. Elle. Méditer. Ah! Pile quand je dis au petit d'aller se coucher, quoi. Vous avez remarqué? Du coup, il va pas pouvoir dormir. J'ai le nez rouge, moi, à force, hein, avec ces conneries. C'est beaucoup mieux quand ça crie pas. Hein. On est d'accord? On est d'accord. Ouais, tu l'as vu. Ouais, quand tu cries pas fort, c'est beaucoup plus vivable que quand tu cries fort. La 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 la. Ah merde.
J'ai bougé le tapis. Est-ce que Copper va sauter pour dire qu'il a vieilli? Tout va bien. Salut Alistrael, comment ça va? Ça va. Ils dorment, ils sont calmes. Oh, enfin, moi je vois bien à chaque fois, mais j'oublie que vous avez le chat d'un côté et ma gueule de l'autre. Parce que si je dis, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont mignons! Vous voyez rien. Oh la vache. Qu'est-ce que je suis égoïste, hein. Oh, je sais pas si vous avez entendu, j'ai un vieux renvoi de l'espace qui est revenu là. Je suis désolée. Bon, je pense qu'elle va méditer pas mal. Ah bah, t'es là, Nunu! Je pensais que t'étais partie! Bon, je vais aux toilettes, mais c'est pas une invitation pour que tu me suives. Hein, hein, Nunu? Oh oui, t'as vu Nunu, elle fait des propositions indécentes, hein. Elle est bizarre, quand même. Mais elle est triste aussi, mais pourquoi elle est triste? Ah, on annule tout. Abort the mission! Abort the mission! Autant plus du bec, autant plus du de la couette. Ce pauvre Cooper, il peut. Copper, pas Cooper. Il ne peut jamais dormir. Allez, viens ici, je vais te donner à manger. Oh oh! Tiens, des boulettes italiennes. Mon dieu. Première fois que je viens te voir en live, je te connais sur... Ah, et bien écoute, bienvenue sur les lives Twitch. Bah avant, je faisais des lives YouTube, mais à cause de Free, mon fournisseur d'accès, je ne pouvais plus. En fait, illimité. Pourquoi j'ai une collection d'ordures, là? Illimité ma co la connexion, en fait, à YouTube. Du coup, je ne pouvais plus live sur YouTube. C'était un vrai problème. Donc je pouvais vraiment plus faire et ça m'a gavé. Je me suis dit bah non, mais moi je veux continuer à faire des lives, donc bah, ça marche sur Twitch. Je vais continuer sur Twitch. Et maintenant je fais que sur Twitch parce que j'ai pris mes habitudes. C'est vachement plus adapté par rapport à YouTube. Parce que c'est vraiment une vraie plateforme de stream. YouTube c'est plus des vidéos, tu vois. Bon ça va, mais maintenant voilà, ça fait depuis le mois de novembre que je fais que sur Twitch et je pense pas que je retournerai sur YouTube en live, ça me ferait trop bizarre en fait, je suis trop habituée ici. Mais voilà. Et ça fait plaisir que je sais qu'en ce moment il y en a qui viennent de YouTube et qui arrivent sur Twitch, ça me fait plaisir. Et moi c'est la merde, je regarde plus aucun stream sur YouTube. Je regarde aucun non plus, hein. Je suis tout le temps sur Twitch. Hein. Si je dois regarder, si j'ai envie de regarder un live de quelqu'un, en même temps, mais je connais plus les live les streamers Twitch que YouTube. Parce qu'en fait, c'est très compliqué de trouver des lives sur YouTube, hein. Je suis désolée, alors que Twitch, ben tu fais parcourir, et tu regardes ce qui t'intéresse, donc ça peut être un jeu ou quoi au caisse, et t'as tous les streamers. Voilà, selon la catégorie dans laquelle ils sont mis, et ben c'est vachement plus simple pour trouver. Après, bah ben, tu suffit de. Après, t'as les chaînes recommandées sur le côté. Et tu passes d'une à l'autre, et puis tu vois ce qui te plaît, ce qui te plaît pas, quoi. Alors sur YouTube, ben il faut. Je sais même pas comment on fait d'ailleurs pour trouver quelqu'un qui est en live si t'es pas abonné. C'est complexe. YouTube met pas en avant les lives. Ouais, c'est ça. Parce que même moi, quand j'étais en live, bah, il fallait que j'aille sur ma propre chaîne pour pouvoir voir le chat et tout. Enfin, c'était tout un merdier. Là, vous voyez, OBS, j'ai pas besoin d'être sur mon Twitch pour voir le chat. Parce que en fait, OBS. Quand vous vous loguez sur votre compte Twitch, ça vous ouvre automatiquement le chat. Alors que si je me log sur YouTube, je vais pas avoir le chat. Là, c'est j'ai compris dans OBS, donc c'est ça qui est bien, ça marche super bien. C'est fait pour en fait, c'est vraiment les mecs qui ont développé, c'est pour Twitch, c'est pas pour YouTube. Tu as faim mon bébé? Ah oui. Hein. Mon petit cœur, il a faim. T'en es où, toi? Je veux quand même qu'elle aille au niveau 8, hein, je peux pas vous le cacher. On y est presque, hein, on est à 73%. Pendant que tout le monde dort, eh ben, elle fait de la méditation, hein. Tant pis. Hein. Je voulais faire le charisme, et ben, on aura fait le bien-être avant grâce à la méditation. Parce qu'avec le yoga, on aurait été un beaucoup plus long, je pense, mais. OBS qui est le logiciel de streaming pour les gens qui ne savent pas. Oui, tout à fait. Bon, après, j'en ai déjà parler, donc, mais après, si vous savez pas, vous posez la question.
Je regarde pas de live, normalement j'ai créé mon compte Twitch hier. Après avoir vu quelques rediffs déjà. Ah, ça fait plaisir! Ça fait plaisir. Ouais, c'est vrai que du coup, je fais pas mal de contenu qui n'est pas retransmis sur YouTube. Si, à part le Not So Berry, parce que ben, là-bas, je l'ai commencé sur YouTube. Donc, effectivement, je remets les rediffs. Mais après, le reste, normalement, n'est pas mis en rediff à part les Sims 2. Parce que ça m'a fait marrer de faire des petits best-of de live en faisant le let's play. Mais le reste, je fais pas de rediff. Parce qu'il y a aussi tous les gens qui sont sur Twitch et que bah au moins ils ont un contenu qui est que pour eux en fait. Après le replay est toujours dispo 2 semaines, mais ça reste que 2 semaines, donc c'est pas non plus incroyablement long. Elle va nous faire le niveau 8! Regardez! La 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 la! Il nous reste une! Une, les enfants! Oh, il pleut! Une seule compétence à monter au niveau 8. Une seule. Et on aura fini l'aspiration. Mais on n'aura pas encore fini les objectifs de Lila. Et je vais faire le charisme, vu qu'on est à 73%, c'est la seule. Oh putain, et elle pleure. Pile quand la mère, elle va se coucher. Oh, j'en peux plus. Autumn, t'es chiante. Mais t'es chiante! J'espère que t'es belle. Pour être aussi chiante. Allez, va, qu'est-ce que c'est? Faire un câlin et parler parce que le temps que maman l'arrive. Maman, elle se fait chier. Oh là là, j'ai. J'ai le nez qui gratte, hein. Je suis désolée, hein. C'est pas agréable. J'ai aussi regardé longtemps les lives en Lurk. Lurk, c'est quoi ça? Je suis assez sélective dans les streamers que je regarde. Je vérifie toujours si j'apprécie ou pas. Ah ouais, non, mais je suis pareil, hein. Il y en a même que je continue à regarder pour. C'est plus pour m'occuper dans le sens quand je fais rien de spécial ou quand il n'y a rien qui m'intéresse. Je vais regarder ces streamers-là, je suis même pas abonné, je suis même pas en follow. Ça passe le temps. En fait, il y a aussi des gens, j'aime bien quand ils parlent et puis dès qu'ils jouent, et ça c'est très. Sur Twitch, ça marche très bien, c'est le blabla. Il y a beaucoup de monde en blabla et dès que le streamer va se mettre en jeu, il perd des vues. Mais c'est tout le monde. Donc c'est marrant quand même. Parce qu'en fait, tu parles de tout et de rien et je crois que ça plaît. Moi j'aime bien aussi, hein, je veux dire, les live blabla, j'aime bien. Les écouter ou les faire. Oui, j'ai découvert que tu fais une négation en venant ici. Ah oui, je l'ai commencé. Pendant le confinement, je sais plus, peut-être du coup au mois de mai? C'est possible, je sais plus. On avance bien et tout, et en fait, c'est un legacy qui est fait carrément avec les abonnés du chat. Donc en fait, plus t'es souvent là, plus tu cumules des points de chaîne, en fait, tu le vois avec un petit cul de licorne en dessous de l'espace chat où tu écris. Tu vas cumuler des points, et au bout d'un moment, tu peux acheter des récompenses selon ton nombre de points et tout. Et en fait, dans le Legacy, tu peux acheter un prénom. En gros, bah, dès qu'il y a un bébé qui naît dans le Legacy, la personne du chat qui leur a acheté le prénom peut donner le prénom qu'il veut. Ou presque, hein, parce que j'ai refusé un Patrick. J'avoue, j'ai refusé un Patrick, j'ai trouvé ça pas très. Voilà, mais en général, les gens sont plutôt sympas avec les prénoms. Et après, on vote aussi pour l'héritier. Et c'est le chat qui vote pour l'héritier pendant tout un live. Je mets un Spropol et puis bah il vote pour celui qui veut. Si celui qui veut et celui qui gagne, ben ce sera lui l'héritier. Voilà. Alors c'est de l'anglais. Ah oui, donc sous-marin. On appelle ça sous-marin aussi. Disons que de manière cachée, ouais. Oh oui, je connais. Bah d'ailleurs, bisous aux sous-marins qui me regardent en direct, évidemment, parce que sur YouTube, les sous-marins, bon. Il y en a aussi, hein. Donc bisous tout le monde, les sous-marins. Lila! Non! Non! Ça va, elle peut encore annuler son taf. La meuf, la chômeuse, quoi. On dirait moi. Un moumoun! Dion, regardez. Coucou! Et moi, chérie! Il a faim. Tu iras dormir. Regardez-moi ça. Bon, la petite cocotte, elle va pas. Oh putain, elle repleure. Mais elle est infernale!
Mais papa, viens changer les fesses de ta fille. Oh, le co petit Copper, il peut jamais dormir, il en a ras le cul, quoi. Va voir ta fille. Oui, je sais, t'es triste. Hein, mais... Va voir ta fille, elle aussi, elle est triste. Hein. Elle a les fesses irritées, attends. Elle pourra pas poser sur Instagram avec ses fesses à l'air dans son string. T'imagines le scandale? Copper, non, arrête, va pas faire. Oui, je sais que tu ne peux pas dormir, mais tu dormiras quand tu auras ta propre chambre, écoute. Casse pas les pieds en attendant. Ouf, oh joli. Ah, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, ma petite Sianana. Alors, bah, je te propose le Lord et Lady 33, du coup, parce que bah, de toute façon, je vais les enregistrer ce week-end. Donc c'est le prochain, normalement je fais Lord and Lady avant Iowa. D'ailleurs je vais rayer celui de Marie parce que j'ai réussi à le mettre. Je sais pas où je vais le mettre, mais... Ouais, je vais essayer. Je vais essayer parce que c'est vrai que c'est complexe. Mince, je me suis trompée de... Oh, c'est pas grave, j'ai pas fait dans le... Normalement, j'avais mis pseudo épisode mot. Là, j'ai marqué pseudo mot numéro d'épisode épisode. J'ai confond, j'ai comme fond. Bichon, va regarder la télé si tu t'ennuies, Bi. Elle va bientôt grandir. Elle va bientôt grandir. Elle va bientôt grandir. Elle va bientôt grandir, elle va bientôt grandir, elle va bientôt grandir, elle va bientôt grandir, elle va bientôt grandir. Comment ça, c'était chiant? Pas le plus simple des mots. Non, mais bon, il faudra bien que je trouve. Je commence déjà à réfléchir en fait. Hein, j'essaye. Chantal Caillou, ouais, s'en fout. Oh, c'est le jour de l'amour demain. Du coup, t'accouches quand? Bientôt. Elle a ils ont fait ça à quelle heure? J'ai oublié, moi. Ah, c'était pas bon. Va bosser. Et là, je ne sais plus parler. Je sais plus à quelle heure elle doit accoucher. Ce sera pas là le jeudi. Hein. En même temps, faut que la petite. Ça y est! Elle est rousse! J'ai même pas lui changé les cheveux! Elle est déjà rousse! Ah, je crois qu'elle a les mêmes yeux que son frère. J'espère, en tout cas. Non! Elle a les yeux de papa! Oh zut, va falloir en refaire une, hein. Elle est déjà rousse! Elle a tout compris à la vie. Oh, oh, j'ai une vie, je suis triste. Je suis une enfant qui a été traumatisée. J'ai vraiment eu la pire vie du monde. Allez, elle sera 1 et 2 et 3. Espiègle! Ah oui, non, mais arrêtez de vouloir tout de suite aller dans les toilettes, là. Qu'est-ce que c'est, babillé? Tiens, toi, tu auras droit au chat. Puis t'arrêteras d'emmerder ton frère comme ça va être magnifique. Puis après tu pourras déambuler. Oh la petite automne. Bon j'avoue je préfère les yeux de pop de maman de Copper mais bon. Ça me fait rire qu'elle ait grandi, elle soit déjà rousse. Parce que normalement elle devrait avoir les cheveux de maman. C'est pour ça qu'elle a les yeux de papa. Grâce, oui, à cause de toi, à chaque fois que j'entends Chantal, je pense à Chantal du décalage. Ah oui, bah, Chantal, elle a marqué les esprits, hein. Ah, les bichons, d'ailleurs, il doit y avoir pas mal de cadales pour les enfants dans la boîte aux lettres. Il va falloir qu'on aille voir ça. On va récupérer le courrier. La petite biche. Bon alors, la petite biche. Qu'est-ce que tu vas manger de beau?
Allez, des pattes. Ça va, Lila? Qu'est-ce que tu nous as fait de beau dans ce petit bidou? J'espère qu'il y a au moins une fille dedans. Après, on sait pas combien il y en a, mais j'espère qu'il y a au moins une fille dedans. Salut, Eliosk! Comment tu vas? Ou Elioska, je ne sais pas comment dire ton pseudo. Ah, il y a plein de joues. Et des joujoux violets! Ah ouais, tu vous êtes trompé de génération, mais c'est bien. Ils vont être contents, les petits. Va falloir acheter un deuxième lit d'ailleurs parce que. Et des graines de fruits. Pourquoi pas? Oh, toi aussi tu t'ennuies, biche. On va regarder la télé alors. On va faire du zap zap. C'est bientôt. Bientôt. Bientôt, bientôt l'accouchement. Il est où le truc de graines? Il est là. J'ai encore éternué. Mais des jumax. Ouais, bah, et pourquoi pas? Et elle est jumelle de base, hein, Lila. Hein. Elle est née avec sa sœur jumelle, hein, donc bon. Je dis ça, mais notre petite Radie, elle, n'a pas réussi à en refaire. Hein. Merci, Valjouskaya. J'ai jamais réussi à des tripes. Oui, moi j'en ai déjà eu un. Une fois, dans mon Legacy, donc je faisais avant de commencer ma chaîne YouTube, donc ça remonte. Et le troisième enfant n'avait rien à voir avec les parents, donc je me suis demandé d'où il sortait. Ouais, c'est éclate, hein, avec le chat. Bon, on va aller acheter un lit parce qu'elle commence déjà à être fatiguée. Et moi, j'aime quand les bambins soient. On va arrêter de mettre le bébé aussi dans le. On va le mettre le bébé là dans la salle, la salle à manger, c'est très bien. Les bébés. Hein? Voilà. C'est mis n'importe comment? Non, je vous crois pas. C'est pas vrai. J'ai dit quoi dans la salle de bain? Bon, après, toi, tu vas bosser ton charisme. Je te le dis tout de suite, hein. Oui, non, on va faire avant. C'est motivé. Je sais plus. Oh, les loups-garous! Des pommes! Trop cool. Vas-y, ma biche, va te faire un petit dodo. Pendant que maman. Elle va. Danser. Elle va se parler au miroir parce que il faut qu'elle aille, elle fasse sa sixième compétence niveau 8 pour qu'on puisse dire aspiration validée. Allez Lila, allez, allez Lila, allez. Bon là, elle se motive et maintenant elle s'entraîne à faire un discours. Regardez-moi ça, c'est beau, c'est beau, c'est la dernière. Bien sûr, après je vais devoir quand même en augmenter. Bah, je sais pas comment les gens ils ont fait crime, je sais qu'elle a fait l'aspiration qui est donc de 6 compétences niveau 8 plus 2 et pas compris. Donc bah là, ouais, il faudra que je fasse le bricolage ou le fitness peut-être. Fitness ça peut aller vite. La physiologie ça va super vite aussi. Elle est déjà niveau 2. Voilà. J'ai réussi à voir une fois des triplés, les deux parents avaient le très fertile. Dans un challenge rénovation, je sais plus lequel, j'étais en galère et dès le début, bam, des triplés. Oh la vache. Oui, bientôt niveau 8 de charisme, c'est pour ça qu'elle est dessus. J'ai envie de me moucher sévère, je reviens tout de suite. Et je vous coupe le micro, évidemment. Mic off. Mic on. Eh ben ça fait du bien. Voilà. Attends, je suis pas enrhumée, hein, mais quand commence à être la période un peu mi-saison et tout, j'ai souvent le nez qui coule, je vais éternuer, tout ça, mais. Allez, Jacqueline!
82%. Bon, vous pouvez commencer déjà à réfléchir au prénom de ce nouveau noubou. Ce ne sera pas Cooper, ce ne sera pas Autumn. Oui, Jacqueline, 88. C'était mes débuts sur M6, j'ai abandonné. Allez, fâche. Perso, mes tout premiers Sims mouraient souvent avec moi. Allez, va pisser, Lila. Va faire ton pipi. Mais t'as dormi, toi? Va faire une sieste, je t'ai dit. Allez, Bistouquette, là. Et dire qu'on voulait t'appeler Mimolette. Enfin, pas moi, mais des gens. Voilà. Et grand frère qui continue à roupiller. Il est 17h, quoi. Oh, le beau. Vas-y, élève-toi, mon chou. Bah ouais, tu meurs de faim. Tu vas bouffer les murs bientôt. Et un petit gâteau, là. Ça, il va être surex. Parce qu'il aura mangé du sucre. Pipu, allez. Mais je sais qu'il a très faim. Jean-Claude, tu crois que je fais quoi, le jeu, là? Excuse-moi, on a un objectif avec notre Sims, là. Oh là là, 95%. Fox pour un garçon, Foxy pour une fille. Ah oui, pas mal. Mokosa, 95. Oh, viens à la maison. Viens te détendre, là. Viens te détendre, mon chouquilou. Abenor, Boxin, Fabloni et Boy, Zappalapliva, Habarita. Allez, Lila, allez, Lila, allez, niveau 8, niveau 8, 3%. Lin, lin, kumquat. Non, c'est un peu bizarre quand même. Votre première partie, je construis une belle maison, je fais mon Sims, il cuisine, il met le feu, Sims mort, fin de la partie, pas de sauvegarde. Oh la vache! Pas cool. 98-99! On va taper le niveau 8! On va taper le niveau 8! Mifig, mi-raisin? Faut déjà que je me remouche. 100%! Aspiration réalisée. Nous avons réalisé l'aspiration de Lila. Mais on doit quand même maxer deux compétences. Lesquelles? Je ne sais pas. Alors, tu vas discuter d'énigmes logiques parce que je crois qu'on est à 2-3 poils de cul de choper un niveau au niveau de la logique également. Donc ce serait peut-être pas trop mal. Qui c'est? Julien Mama. Julien Mama. Non, t'es moche. Oh, Noubou. Chief. Baiser suave. Ouais, ils sont amoureux quand même. Hein. Ils font des enfants. Hop. Regardez-moi la logique là. 98%. Allez, dépêche.
Parce que là, on est à 2h41 de record pour l'épisode. Et niveau 6 de logique, on est loin du niveau 8, hein. Mais bon. Ah, je suis contente, on a fait l'aspiration. C'est trop cool. C'est trop cool. Putain, par contre, ici, c'est dégueulasse, les enfants. Alors, le petit, il a faim et il pue. Bon, maman, tu vas finalement donner un bain de mousse à petit bichon à copain. Mais il y a à bouffer, là, Jacqueline, là. Toi aussi, viens bouffer, là, par terre. Allez, ça suffit. S'il fait rien de sa vie, il va attendre sa maman. Et Copper et Candy dans 3 jours. On a le temps. Oh, vous là. Papaye. Pimpin. Fruit du pandanus. Pimpin. Le fruit du pandanus. C'est logique. Il se voulait tester ma résistance, maintenant ça va, je les gère sans chez eux, t'es avec les papas. Bah oui, comme moi là, tu vois, c'est un peu. Alors, bon, écoutez, c'est la bonne franquette, c'est propre dans la maison. Donc. Bon, par contre, toi tu fais ça parce que c'est sale. Merci. Ah, il a besoin de. Oh, regarde la télé. Tu iras remanger après. Hein. Il est en colère parce qu'il avait mangé du sucre, c'est ça. Elle va être aussi pas bien. Pleurer, tu vas rien pleurer du tout. Oh là, pas d'attention, les biches! Attends, papa et maman, ils sont occupés, mais dès qu'ils seront dispo, ils vont venir te parler. Regarde, maman, elle va pouvoir venir te parler. Ça va aller, illuminer la journée. Mais mange aussi, Jacqueline, qu'est-ce que tu veux faire aussi? T'as fini ton assiette? Comment ça, Lila est attendue Bah, elle est encore enceinte. Suivant son congé. Oui, bah oui. Pour l'instant, elle peut pas. Elle est grosse. Va falloir vider la poubelle. Bon bah, tu veux de l'attention et tu te casses. Bah, va te faire foutre. Allez, hop, dégage. Maman, elle va s'occuper. Tant pis pour toi. Eh, viens parler à ton frère. Regardez. Et lui va te parler aussi. Oui, je sais, faudra qu'on la relouque aussi, la petite. Je sais, on fera ça peut-être en début de live la semaine prochaine. J'ai pas la foi maintenant. Là, j'attends qu'une chose, c'est que Lila, elle accouche son gosse. On fasse les votes des prénoms et après, chut, on arrête là. C'est pas viable chez les autres, si tu veux essayer d'un... Non, mais moi, j'ai essayé hein, pourtant. Hein. Je me suis dit, allez, pour le décade, je me suis dit, allez... Je vais la jouer RP, on va prendre la chaise haute, ça a pas fait long feu. Hein. Purée! Ah mais Joséphine a été intenable avec cette chaise haute là, c'était un enfer. J'ai dit non mais là, non, je peux pas, je vais perdre la raison. Moi. Je vais perdre la raison. Mais qu'est-ce qu'ils font? Mais arrête avec ton daron là! Je t'ai dit de parler à ta sœur! Oh là là! Incroyable! Il commence à galoper le petit! Hein. Copper! Oh, ces petits rouquins là! C'est marrant parce que ses cheveux à lui sont plus roux que ses cheveux à elle! Pardon! Bah, t'as dit que tu voulais de l'attention. Fais un massage à ta femme, toi. Embrasse-la. 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 Ta-da-da-da-da. Elle est pas par terre dans la chambre au pied de leur lit pour ma part. J'appelle toutes les femmes. Ouais, j'avoue, non, j'avoue. Elle est dodue, la madame. Bon, dis donc. Je m'en souviens, elle est mon saoulée avec les premiers rangs. Putain, ah ouais, j'ai pété un câble.
C'est pour ça que le pack être parent, il est relou quand même. Hein. Il est bien, mais il est archi relou. Hein. Mordre. Fais ça, fouchette. Voilà, ça fait des bisous et après ça fait des monstres. Mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu chiales? Oh. Oh là. Oh là. Oh là. Vous vous souvenez des jumeaux qui faisaient une araignée? J'ai la version bambin maintenant. Un monstre à deux têtes et à huit bras. Ah, c'est sale. Je crois que je l'ai découvert grâce à Decades. Si pas... Non, mais il y en a beaucoup qui m'ont découvert avec le Decades. Je savais pas du tout que c'était un challenge qui était connu. C'est Ina, quand elle m'en a parlé, j'ai eu une obsession pour ce challenge. J'ai dit, ah oui, je l'aime trop. Je veux le faire. Et en fait, on l'a retapé ensemble pour faire un truc un peu plus cohérent. Quoi. Elle a plus fait que moi. Moi, elle m'a consulté, on en a parlé. Donner des idées, des conseils, et puis voilà quoi. Mais... Tu vas nettoyer ça, tu vas prendre un bain. Je vais mettre en vitesse 3 parce que sinon on va jamais y arriver. Parce que elle dort pratiquement plus donc. C'est un peu comme les vampires. À force de faire le ménage et tout, le bébé va venir après. Tiens, après tu pourras manger une part si tu veux. Tu l'auras mérité. Après tout ce ménage. Moi aussi, que des quêtes étaient dans mes suggestions sur YouTube. Ah. Mais qu'est-ce que j'ai ri avec toi? Bah j'espère. Parce que j'ai déjà vu moi des trucs. Oh, bébé. Bébé. J'ai déjà vu des trucs où on se faisait chier. Hein. Perso, j'ai dit bah au moins, moi quand je regarde mes épisodes, je me marre. Bébé. Je dis pas que je suis la plus drôle, mais quand même. Y'en a, on rigole pas, on se fait chier, oh putain! Je veux dire, les Sims à la base, c'est un jeu qui est marrant. Pourquoi on se marre pas avec eux? Tamé! T'es tombé sur un gâteau magique, allez vas-y, moi je veux le bébé. Le bébé! Le bébé! Oui, je fais ça quand je suis. Sur X. J'espère que c'est une fille. Avec les monts sous lit, j'ai dû faire pause. Enfin, moi, je rigolais pas pendant ce temps-là. Purée. L'épisode 18, c'est le pire du Decade. C'est le pire. Salut Scoopy Game, merci beaucoup pour ton follow. Puis t'es pas trop cucu, je sais pas, tu me comprends. J'aime pas être trop... Ah non, mais je comprends complètement. Et merci Chafouin pour ton follow. Bienvenue aussi à toi. Bienvenue à tous les deux. Non, non, je suis pas cucu, au contraire, moi, j'aime bien dire des trucs un peu, de rentrer dans l'art des Sims et tout, et je suis comme ça de base, tu vois. Bon, on est prêt ou pas? Je veux que ce soit une fille. Une fille. Une fille. J'ai peur. C'est une fille! La, na, 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 na. Bon, alors, j'ai un prénom dans ma tête, je veux donner, mais... C'est à vous de le décider. Alors... Je vais remettre sur le tapis le prénom Sunset, parce que j'aimais bien, et c'est j'aimerais bien celui-là, il est vraiment mignon. La dernière fois, donc on a mis Sunset, Automne et Mimolette. Marie n'étant pas là, on ne mettra pas Mimolette. Je pourrais mettre Sunset. Vous aviez dit quoi, Cannelle? Non, Cannelle. Ouais, Clémentine, c'est trop obvious. Non, pas de Mimolette, non. Pas de citrouille non plus. Papaye, mangue, pandanus. Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va faire? Foxy? C'est vrai que Fox... À la limite, Fox, pour un gars, c'est mieux. Hein. Pour un gars, je trouve que c'est bien, pour un petit garçon. Sinon, là, j'ai encore Capucine, Aurore, Cannelle... Orangina Sunset. Le truc qui a rien à voir quoi. Notre première fille s'appelle Autumn. Je trouve que Sunset c'est joli.
Sunset et automne. Après, c'est allez, automne en version française, donc sunset, ce serait crépuscule. Ou aurore pour le début du jour. Du coup, nous avions, je vous avais proposé sunset, aurore et cannelle. Ces résultats, sunset! Sunset a gagné, ce sera donc une petite fille du doux prénom de Sunset sous l'océan, le Sunset. Je vois le rayon vert maintenant et l'horizon me tient tête. Et oui, c'est une chanson de Izia que des fois je vous mets en début de live. Attention, il y en a une ou il y en a deux? Il y en a qu'une. Eh ben c'est déjà pas mal, hein, parce qu'on va pas se leurrer. Trois gosses. C'est pas mal. Alors tu peux la nourrir s'il te plaît parce que bah elle a déjà la dalle cette gamine et on s'arrêtera là. Et on verra si la semaine prochaine on sera un autre enfant ou pas. On verra ça la semaine prochaine. De toute façon, nous avons quand même un peu de place maintenant pour trois enfants. Il est parti se coucher. Ah oui, 3 h du matin. Vous m'avez grave déçu. Sunset sera mon ennemi juré, je jure de la haïr. S'il y avait une jumelle avec, j'aurais mis Aurore en deuxième prénom. Voilà. Comme le coup de Lavande et Lila. Mais là, elle est venue toute seule. Écoute, tu dis ça à Sunset, hein, elle est venue toute seule, cette connasse, c'est de sa faute. Oh, tout de suite. Ne vomis pas des glavions en live. Non, je vais vous les mettre sur Insta plutôt, ce sera beaucoup plus drôle. Bon, ben moi je suis contente. J'ai cru qu'elle allait péter comme sa mère, mais non, parce qu'elle n'a pas le trait crasseuse. Je vais donc enregistrer ici. Je vais vous remercier d'avoir regardé cette rediffusion qui, je pense, sera très longue YouTube. Donc vraiment, peut-être que je vais la couper en deux. Je pense. Comme ça, il y aura une partie samedi et une partie dimanche, parce que avec la construction, ça va être beaucoup. Et on s'arrête là, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite d'une autre Sobéry. Je vous fais très gros bisous, à très bientôt. Salut!